Troisième mystère glorieux, la Pentecôte. Avant de s'en aller, Jésus demande à ses apôtres d'aller annoncer l'Évangile dans le monde entier, d'enseigner à toutes les nations à garder ses commandements et de les baptiser au nom du Père, du Fils et de l'Esprit-Saint. Sachant que cette mission est impossible à accomplir par leur propre force, Jésus leur promet de leur envoyer l'Esprit-Saint, l'esprit de force et d'amour, celui-là même qui les mènera tous au martyr. Écoutons Marie nous dire sa joie d'avoir été au milieu des apôtres en ce jour de la Pentecôte et d'avoir pu les soutenir dans leur attente par sa prière. Écoutons Marie nous parler de sa joie de voir fonder l'Église de Jésus en ce jour. Écoutons Marie nous parler de sa joie, de la joie des apôtres, de sa joie de les voir parler en diverses langues inconnues d'eux-mêmes, de leur fougue à annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, de voir ce jour à Jérusalem plus de 3000 personnes se convertir à l'Évangile. Écoutons Marie nous parler de la douceur de vivre à l'ombre de l'Esprit-Saint. Il est l'Esprit du Père et du Fils, le fruit de l'amour mutuel du Père pour le Fils, du Fils pour le Père. Il est l'Esprit d'amour qui embrase toute chose. Il est à la fois toute douceur et toute puissance. Il est celui qui adoucit toute peine, réchauffe toute tiédeur, irrigue toute sécheresse, lave toute souillure. Il est celui qui donne patience et endurance aux martyrs. Écoutons Marie nous dire de ne pas craindre devant l'ampleur de la tâche de l'évangélisation. Quelque difficiles que soient les circonstances dans lesquelles nous sommes appelés à annoncer l'Évangile, elles ne sont pas pires que ce qu'ont connu les apôtres. L'Esprit-Saint, celui sans qui nous ne pouvons rien faire, est toujours là avec nous, et il fait même l'essentiel, car nous ne sommes appelés qu'à accompagner son action. Écoutons-la, nous rendre attentifs au fait que les apôtres se sentaient tout aussi dépassés par la mission que leur a confiée Jésus, que nous le sommes nous aujourd'hui. Écoutons-la nous dire que l'Esprit-Saint que nous avons reçu à notre confirmation est infailliblement avec nous. Écoutons-la nous dire que le cénacle de prière de la Pentecôte ne s'est jamais achevé et que jusqu'à la dernière génération, elle se tiendra en oraison avec nous pour nous obtenir toute grâce nécessaire à l'accomplissement de notre vocation. Écoutons Marie nous rappeler l'importance de la prière du rosaire dans l'évangélisation. Il est la prière missionnaire par excellence, car il nous relie à elle, la mère de l'Église, la reine des apôtres, l'épouse mystique du Saint-Esprit, parce qu'il nous obtient la grâce du Saint-Esprit dont le propre est de nous sortir de notre repli sur soi et de nous ouvrir aux autres. Écoutons Marie nous dire que l'Esprit-Saint chasse la peur que le démon voudrait nous inspirer pour nous paralyser dans notre zèle apostolique. Écoutons Marie nous rappeler les paroles de Saint Jean-Paul II, apôtre du rosaire et missionnaire intrépide. N'ayez pas peur, ouvrez toutes grandes les portes au Christ. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassées reposent en paix. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.